Bonjour, c'est Dorothée Ragia et je suis très heureuse de vous retrouver pour notre évangile du jour qui se trouve dans Matthieu 18, 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, et ce qui est important ici, c'est le « en mon nom », dans le nom de Jésus, il nous assure qu'il sera au milieu de nous. Il dit « je suis au milieu d'eux ». Lorsque nous nous assemblons pour faire sa volonté, même deux ou trois personnes, assemblées pour prier, témoigner ou faire son œuvre, Jésus sera au milieu. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a donné son nom. Et dorénavant, nous faisons tout par son nom. Le nom de Jésus est le plus beau nom qui nous a été donné. Il est le plus précieux, mais aussi le plus puissant qui soit. Il est écrit dans Philippiens 2, « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, qui ? Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors nous avons tout par son nom. Nous avons le pardon de nos péchés, mais aussi la guérison de nos maladies, la libération de toute oppression et la délivrance des démons. » Jésus a tout accompli pour nous. Quelle grâce! C'est merveilleux! Et ça s'appelle l'Évangile. Il n'y a pas plus grande nouvelle que celle-ci. C'est pourquoi, dès que les disciples ont commencé à utiliser ce nom, après que Jésus soit ressuscité des morts et qu'il ait vaincu Satan et la mort, il y a eu des miracles, des guérisons, des choses extraordinaires. Le paralytique de la porte Belle s'est levé et tant d'autres choses. Nous devons nous attendre à la même chose aujourd'hui, car la parole de Dieu nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ses miracles, sa puissance n'ont pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il nous a donné son nom comme autorité. Nous avons donc le droit de nous en servir abondamment. Les religieux de l'époque ont bien compris la puissance de ce nom et ont interdit les disciples de l'utiliser. Satan ne craint pas le nom de Dieu. Tout le monde dit Dieu, Dieu, Dieu. Oui, mais quel Dieu? Satan et ses démons, par contre, tremblent devant le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui dans le même temps que les disciples. Notre société est influencée par Satan, qui veut à tout prix cacher le nom de Jésus. Pas de crèche, de la laïcité partout, et même dans les pays anglophones, où le mot Noël se dit Christmas, Christmas. On ne l'écrit plus avec Christ, on met un X à la place qui fait Xmas. C'est à ce point-là que l'ennemi tremble devant ce nom. Cela devrait nous encourager à utiliser largement ce nom. La Bible dit « faites toutes choses en son nom ». Alors, imposez les mains en son nom, priez en son nom, travaillez en son nom, chassez les démons en son nom. En d'autres termes, ayez foi en son nom. Il n'y a pas d'autre nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Je ne sais pas ce que vous ressentez, mais moi, cela me donne vraiment envie d'élever mes mains vers lui et de le louer et de dire « Oh, merci Jésus pour ton nom, j'ai tout reçu en ton nom. » Alors soyez bénis et plus que vainqueurs en son nom, aujourd'hui, dans le nom de Jésus et à bientôt.